Ok, re mes petits jambons. La manette est pas détectée? Ah si, c'est bon. Ok, on a 200 temtem hein, quand même. Temtem. Nexo. Ouf. Oh, il est vénère lui hein. Alors. Ouais, Temtem, il y a une histoire, ouais. Oh putain, comme par hasard. Oh putain, le con. D'ailleurs, très belle histoire. Sur Temtem. Oh putain, comment j'encaisse de ouf, par contre, vous avez vu? Par contre, je me rappelle plus du tout de l'histoire en vrai. Hein. Je crois que c'est encore une histoire de sauver le monde, comme d'habitude pour changer. Hein. Histoire de changer un peu quoi. Attendez, y'a qu'un seul qui XP là? Attendez. C'est bizarre, on dirait qu'il y aurait qu'un seul. Ouais, donc ça va. En vrai, ça va, on a quand même pas reset pour rien en fait. On n'a pas reset les Temtem pour rien, ils sont vraiment plus tanky quand même. Vu l'écart de puissance, on prend vraiment pas de dégâts quand même. Ok. Level 61, waouh. Ok, en fait ils ont décidé de mettre que des vents en fait. Sans mauvais jeu de mots bien sûr. Tu trouves qu'ils donnent plus d'XP de l'autre côté? Salut toi. Ok. Quoi qu'en vrai il donnait 5000 d'XP hein. Alors qu'ici il donne que 6000 hein. Enfin que 1000 1000 en fait, 1000 buissons. Ah oui. Ouais bah dans le monde normal ouais hein. Ils sont surcheatés hein.
Mais je pense qu'on gagnait plus d'XP dans notre monde, hein, quand même. On va aller voir. Ok. C'était lequel qui donnait le plus, peut-être le monde du vent? Ou c'était plus HL? À moins que c'est du feu, peut-être? Je sais plus. Après, il y a celle de la foudre aussi. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, parfait. Ah ouais, largement. Ah ouais, putain, 7000, hein, laisse tomber, mec. Au lieu de gagner 1000 par 1000, on gagne 7000. Mais lol. Largement mieux. Ok, bon bah franchement il y a vraiment une différence du coup entre les deux. Hein. Donc c'est pas du bullshit comme dirait l'autre. Merde, c'est pas ça que je voulais. Ouais, dans le monde normal, ils sont nuls, ouais, j'avoue. En plus, ils sont niveau 58 ici. Donc, 58 étoilés. Donc, pas mal. Hein. On sait dire que j'avais bel et bien un comment dire. Des levels d'écart quand même. Hein. C'est ici on pouvait carrément capturer du 58. Hein, donc, en fait on était limite en fait quand on a fait les boss. Hein. C'est pour ça qu'on s'est fait farm. Oh putain le connard, il esquive. Ok. Donc on comprend mieux maintenant. Tac. Ah ça va être chiant par contre. Ok, ça va. Et Sbim! Et Sbim! Hop, on a quand même beaucoup de level d'écart. Waouh, c'est abusé. En fait, on s'en est pas rendu compte vu qu'on était en repousse, donc du coup, on s'est pas rendu compte en fait qu'il y avait un écart de ouf. Comme quoi, les repousses c'est pas bien. Hein. Comme quoi, les repousses c'est pas ouf. Mais bon, ça nous a fait quand même économiser pas mal de temps, donc bon.
Après, est-ce que c'est le fait de les avoir butés, d'avoir buté le boss qui nous met des mobs aussi HL? Je sais pas en vrai, hein. C'est bizarre. Hop. Ok, donc là on a eu l'attaque ultime du plante. Ça met bien. Donc à la place de ça. Voilà. Du coup on a ça. EM. Ici nous avons encore 51. Habilité le 51. Habilité. Donc soin. Soin, on l'avait mis à la place de quoi déjà? Attendez, il nous faut. Comme ça, hein. Bon, on avait fait ça comme ça, je crois. Donc habilité. Voilà. Habilité. Nanana. Ok. On est pas mal là. Comment ça se met bien? Alors on a le petit Angel. Ça dégage. Oh pas mal. Soumission. Tu sais quoi, j'ai pas envie de me prendre la tête en vrai. C'est cadeau. Alors, Reborn Nexomon level 30 plus. Ah, en gros, c'est capturer un Nexomon de level 60 et plus. Sûrement en mode éveillé, peut-être. Enfin, en mode réveillé, quoi, du coup. Ok. Donc là, on a une topate. Le 58, sa mère. Putain mais lol, on a on capture de ouf en fait. Je sais pas, mais on dirait que mon taux de capture est beaucoup plus élevé qu'avant quoi. C'est trop chelou. Hop, ça dégage. Oh putain, il m'a esquivé ce con. Coup de pied. Ça fait mal. Non mais. Ok, bon. Il m'a un peu saoulé là, hein, clairement. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. On met l'attaque super précis. Alors, du coup, on a mis le vent dans ultime, je crois. Si je dis pas de bêtises. Quoiqu'en vrai, le vent ultime, est-ce qu'il est vraiment nécessaire? On a quand même celui-ci qui stun, hein. Ouais, bon, non. Allez. Quand on tape fort, on a plus ou moins après. Hein. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut enchaîner tellement les combats rapidement, en vrai. Ça va tellement plus vite que Pokémon, quoi, que c'est long et tout, les animations.
Moi là c'est ni long ni trop court, franchement c'est parfait quoi. Hop. Ça dégage. Hop. On l'overkill mais on s'en fout en vrai, hein, clairement. C'est pas trop grave. Ah. Le mammouth. Il va nous saouler lui le mammouth. Ouf, 220 dans la gueule. Hein. Showtime. Hein. Putain, il mettait tellement cher ce groupe par. Hop. Hop. Tac. Toujours pas les promos d'ailleurs, Tenen. Oh, salut toi. Au revoir. Hop. On va se soigner vite fait. À cause du gros tas là-bas là. On s'est pris une grosse claque pour rien. Hop. Hop. Tu joues à quoi du coup, Tenten là? Je suis sûr que t'es en train de jouer à quelque chose là, non? D'habitude, tu parles plus. Non? Non, la semaine prochaine pour les promos, ouais, peut-être. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais il est trop chaud le truc. Tu regardes sur ton phone. Ah. Je sais pas, il y a le néo fantôme là qui m'envoie. Que voulez-vous, monsieur? Alors que je lui ai rien envoyé comme message, MDR. T'es dans ton lit. Ah bah bravo, il y en a qui se prélassent, hein. Salaud. Il y en a qui se prélassent. Hop. Oh putain, encore ce guignol. Putain salope, donc trop hein. Il y a quand même 400 PV ce gros porc hein. J'hésite à le prendre en fait à la place de mon électrique hein. On va voir un peu les move pool. Alors, équipe. Alors, du coup, il n'y a que des attaques de merde pour l'instant. On va changer ça tout de suite.
Alors, attaque ultime. Ça, c'est quoi ça? Slam. Ouais, ça doit être pas mal, hein. Ah. Ah. Au revoir. Surtout que contre l'autre con là de Négatron là, le fait d'avoir aucun aucune faiblesse de son type, ça va être bien. En vrai. Vu qu'il est neutre. À vous, t'as kiffé, hein. Enfin, Omnitron, je crois qu'il s'appelle, le mec. Ouais, je crois qu'il s'appelait Omnitron. Hein. Bon, ça va, on a bien rattrapé les levels. En vrai, ça a été vite, hein. Hop. Ah, salut victime. Merde. Tellement l'habitude. Salut victime, je disais. Oh putain, il est pas mort du coup. Slam au sol. On est bon. On s'est fait au Ned. On a été quand même puni chèrement, hein, quand même, pour notre petit fail. Hein. Ok, bientôt level up. Et voilà, level up. Bon, ok, je pense que là on va pouvoir tester Omnitron. On a quand même beaucoup de level en plus. Alors. Putain, il y a 422 PV le bazar. Hein. Wow. Ok, let's go. Et dire qu'au début on était level 43 quand même, hein. Mais quand même, hein. Nous aimons pas les endroits BDSM comme ça là. MDR. Ouais, ça explique bien de ouf. Hein. Ok. En même temps, on fait du 7800 à peu près par XP, donc en gros, c'est un peu l'équivalent d'un dresseur, quoi, clairement.
Quoique non, les dresseurs de là-bas faisaient quand même 16 800. Ouais, quoique non. En vrai, en deux combats, on faisait l'équivalent d'un dresseur, en vrai. Largement. Bon. Let's go. Hop. Allez. Allons découvrir tout ça. Oh. Mon Dieu. Voilà. C'est mieux comme ça. Hein. Ok. N'oublie aucun objet, hein. Non. Ouh là là, quand j'ai entendu parler de ton tour, il fallait que je le constate en personne. Presque tout le monde a évacué par Room, mais pas moi. Non monsieur, les dresseurs du monde entier sont venus se battre contre Omnicron et cela signifie des affaires. Viens, visite les ruines de ma boutique avant que quelque chose est dangereux. Je sais, tu pourrais nous donner quelque chose aussi courant à la fin du monde entier. Non. Oh le bâtard. Mais dis non, pas envie. J'ai pas envie de te donner des choses. La fin du monde, c'est pas grave. Oh l'enculé. Limite, le mec il préfère qu'on crève que qu'il nous donne quelque chose en fait. Et après il nous appelle notre ami. Hein. Bien sûr. Un ami ça fait pas ça ma gueule. Hein. Et ça le radin. De ouf hein. Oh l'argent elle a fondu quoi. Oh. Notre thune elle a fondu mais comme neige au soleil ma gueule. J'ai acheté des full revive ma gueule au cas où. Même si là logiquement ça devrait le faire vu qu'on a rattrapé notre level. Ok, camarade. Ah du coup on voit pas trop bien le texte comme ça là. Voilà. Camarade. 2 semaines de cela que le sombre roi des monstres s'est levé de sa tombe et a menacé de nouveau notre monde. Sa marche de destruction a déjà dévasté le village de Parum. Mais grâce à toi, nous avons pu le ralentir et gagner du temps dans notre carte maîtresse. Tout à fait, nous avons récupéré le Nexolord des profondeurs du Netherworld. Finalement, nous avons la force de défier Omnicron et de détruire son âme pour toujours. Nous suivrons votre Nexolord et vaincrons le roi des monstres pour de bon. Seulement ensemble, nous pouvons gagner. Le Nexolord et l'Overseer mèneront l'attaque. Alors, Nexolord de notre côté, la victoire est assurée. Ce bâtard a détruit mon gymnase Honor. Il se repose en ce moment même, alors que c'est notre chance. Qu'en dis-tu, mon ami? S'envole le monde une fois de plus. Yes. Let's go. Ah, des guignols. Halte là! Nous sommes anciens larmes du précédent Nexolord. Tu dois nous pardonner. Il nous a dit que l'Omnicron épargnerait ceux qui l'aident. Nous te promettons de nous orienter maintenant au grand Nexolord. En cas de notre loyauté, tu peux avoir ceci. Clé mystérieuse. Ah, c'était de l'ancien Nexolord, vraiment? Après tout, nous nous donne juste une clé stupide. C'est précieux, Nexolord lui-même nous a dit de le garder. Je me demande ce que ça ouvre. Quoi qu'il en soit, nous devrions d'abord nous occuper d'Omnicron. Ok, donc ça c'est la clé de notre truc là-bas là. Ok. Donc ça c'est son ancien gymnase, il s'est fait farm. Hein. Du coup on n'est pas parti du bon côté. T'as vu ça les guignols, de ouf. Hein.
Laissez-moi passer, bande de larbins. Mais attendez, qu'est-ce qu'on fait ici, là? C'est sûr que c'est le chemin? Oh, c'est chelou, là. Genre, ils nous font traverser tout ça? Seriously? Ça a l'air d'être l'embauchement en plus, hein. Sinon le scénario nous aurait dit halte là, hein. Ça c'est bizarre. Bah what? Bah Nani? Là, c'est très bizarre, là, non? Pensez qu'on a raté quelque chose? C'est chelou, hein. Ok, on va aller voir. Hein. Ouais, ça m'étonnerait que tu saches quelque chose. Hein. Le salaud. T'as tout ce qu'il faut traverser là. Oh, c'est insane, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Cette maison à la con, comme on dirait dans le jargon. Alors, on arrive bientôt. Utilisons cette clé. Ah! Ah! Exotrap d'or. Ok. Oh. 42 sur 41. Oh, et je peux plus détecter de nexoïdes, on dirait que nous avons tous eu. Ah, ah, ah. Nexotrap d'or encore. Ok. Bizarre. Ok, en gros, c'est 3 nexotrapes en or. Ouais. Je m'attendais à un truc de what the fuck, mais là au final c'est du pouc, c'est de la merde quoi. Bon, bah du coup, ouais, non, y a plus rien ici. Hein.
Et en plus, les collectables ont servi à rien au final. Donc, je sais pas ce qu'il faut faire, clairement. Attendez 2 secondes. Ok. Hey. Bah ouais, du coup. Franchement, je sais pas. On a peut-être raté un endroit, hein, qui sait. Au pire, par défaut, on va dire que c'est à cause de Tenden ou de Maniac. On va profiter qu'il est pas là. Bon, c'est de la faute à Maniac. Voilà, il avait qu'à être là au lieu de dormir. C'est de sa faute. Lol, hein, on est d'accord. Ok. Merde, on s'est trompé là. On était une case trop loin. Ok, bon, on va regarder ce qu'on a raté. Oh mince, il y avait un objet brillant. Oh mon dieu. Vous imaginez Maniac en train de regarder la vidéo là, la rediff, en train de crier devant son écran de toutes ses forces. Oh mon dieu. La tristesse. Oh, ils sont où ces guignols là? Ah, il y avait un chemin au-dessus, putain le con. On est arrivé trop tard. Roi des monstres, comme prévu. Enfin, mon attente se conclut. Ne sois pas naïf, gamin. J'aurais dû détruire ton monde en un seul jour, mais j'ai choisi de retarder son sort. Il serait insipide de brûler tout petit monde sans d'abord anéantir mon rival. Mais nous voici maintenant, le plus fort de tous les monstres contre le plus fort de tous les humains. En ce dernier jour, nous allons affronter comme des égaux. Nous déterminerons le futur de cette planète, même avec l'aura de ma propre fille. Protégeant ton exomone, je peux toujours les effacer tous. Voici la puissance absolue d'Omnicron. Ok. Ouf. Excusez-moi, maître. J'avais pas vu que c'était vous aussi. Hein. Comprenez-moi. Hein. Putain, il m'a mangé, mais comme du sushi. Littéralement. Alors l'éléphant, pour lui, c'est un sushi.
Ah mais non, il est électrique ce con, putain. En fait, je me suis trompé de d'éléphant. J'ai confondu avec l'autre éléphant, putain. Je suis deg. On a échappé belle là. Ah mais là non mais mec Il va pas se geler ce con. Ah enfin putain mec tu forces là hein. J'arrive pas à le câliner hein. Yes. Oh, on est en train de full l'altération. Il tank de ouf hein. Ouf, on a eu de la chance hein. Ok, on va peut-être switcher un peu. À qui on pourra envoyer On va aller lui. Faudrait qu'on mette grosse, des grosses claques un peu parce que là. Oh putain, on a pas réussi à le paralyser. Allez, s'il te plaît, soumets-le. Yes. Ouh. T'as même comme ça, hein. C'est abusé, hein. Mass revive sur sur lui. Ok, ça va être chaud. L'omnicron l'avait être trop lourd. Non. Et en plus je fail comme un con. Aïe aïe aïe. Ok, magnifique. Ok, faut bourrer là. Allez, allez. Oh yes, on est en train de full CC. Ok. Dommage. Putain, saloperie, hein.
Allez, faire le jeu de toi, putain. Oh, bâtard. Ah. Putain, il fait chier, hein. Clairement. Oh merde, on va mourir, hein. On va mourir. Gagné. Je crois qu'on va game over, hein. Oh là là là, ouais. En fait, le problème, c'est que l'XP il va rien changer à part les dégâts qu'on va lui faire, tu vois. Donc ça fait un peu chier, tu vois. En fait, on est obligé de le full CC H24. Donc, j'aurais dû mettre la truc qui stun. Hein. J'aurais dû mettre la truc qui stun tout à l'heure là. Putain. Hein. Ok, on va essayer de le lier. Yes. Magnifique. Ouais, là, on va le passer, vous inquiétez pas. Hein. Allez. Le crabe peut le soloter. Faut juste qu'il proc le gel. Ou pas. Il a pas envie. Du coup, j'ai sûrement crevé. Oh, il est esquivé. On va dire, ouais c'est ça Nathalie, ouais. T'as deux versions, moi c'est la version normale que j'ai, Nexomon, basique, et après t'as le Resurrection. Ouais ça s'appelle comme ça, hein, Resurrection. Ou non, comment il s'appelle déjà? Nexomon. Ah je sais plus. Extinction. Et extinction, normalement, il est mieux. Oula, on est sur du bon bail là. Hein. Ouais c'est ça, c'est extinction du coup. Donc c'est celui-là que je te conseille du coup, Nathalie. Donc summon extinction. Bah de rien hein. Oh, on est en train de le full CC sa mère. On l'a battu là. Ce putain de dieu là. Et dégage. Quel connard, hein, je vous jure.
Omicron. Donc ça se termine comme ça. Mon âme est vulnérable maintenant, détruis-le. Et je ne serai plus jamais de ton monde. Mais sache ceci. Chaque Mixmon périra dans les années à venir, car mon âme est leur source de vie. Et ça sera ton héritage. Le Nexolord qui a tué tous les Nexomon. Ouais, 9999 PV, ouais, c'est ça. Nous devons le faire. Cette âme est aussi une source de grand malheur. Ton monde ne sera jamais en sécurité. Elle a raison. C'est ton devoir en tant que Nexolord, n'est-ce pas? Fais ce que tu dois faire pour protéger ton monde. Es-tu prêt? To be continue. New continue. Yeah. To be or not to be. Ainsi le légendaire Nexolord a sauvé le monde il y a 1000 ans. Au fil du temps, la petite ville de Parodrum a été reconstruite et les ténèbres Omicron ont disparu. La paix finalement a été restaurée mais a pris trop élevé, car dans les années à venir, l'extinction des Nexomon est enfin arrivée. Et du coup, c'est là que Nexomon extinction a paru. Les gars, ont-ils dit extinction? Comment sommes-nous supposés faire Nexomon 2 maintenant? Souris un peu maintenant. Je ne te dirai pas, mais tu as sauvé le monde entier. Regarde, de nombreux dresseurs sont venus pour aider à renforcer ces endroits. Cependant, il y a un petit problème dans le... Tu sais quand Omicron est venu ici, ainsi que ses enfants. Oh, pas de panique. Maintenant que tu as vaincu Omicron, ils doivent être vraiment, vraiment faibles. En fait, ils peuvent être cachés. Vraiment? Alors qu'est-ce qu'on est censé faire? Ça alors, c'est un jeu de capturer de monstres et des... en se cachant. Fais le calcul. Mais comment on les trouve? Ils peuvent se trouver n'importe où dans le monde. Mais j'ai un marché à te proposer. Je peux te construire un ancien radar. Tu peux détecter n'importe quel animal légendaire qui est à proximité. Waouh, ça serait vraiment utile. Tout cela tu des fragments de Nexolite que tu as trouvé dans les arbres. Si tu m'apportes assez, je peux utiliser pour faire un radar. Il t'en faut combien? 41 fragments. Je devrais faire l'affaire. 41? C'est bizarre spécifiquement. Mais il y a un fragment et il y a quelque part dans Frozen Tora. Apporte-les-moi et je te donnerai le pouvoir de trouver les légendaires. Ou tu pourrais les chercher sans radar si tu te sens plus chanceux. On va y réfléchir. Bah, du coup, on l'a de toute façon le truc. Hein, voilà. Oh, c'est quoi ça, R? Hein, on a eu un succès. Alors les gars sont venus avec ces derniers forces en convoquer ces guerriers pour se venger de votre monde. Trouvez-les et abattez-les pour revendiquer le pouvoir de chaque Nexomon. Nexomon débloqués sont envoyés vers votre stockage. Bonjour, as-tu 41 fragments? Oh mon dieu, regarde tous ces Nexomon que tu as. Donne-moi de construire un radar pour détecter les créatures légendaires. Ok, magnifique. Tu devrais voir un médecin à propos de ce problème de rotation. Maintenant, écoute attentivement. D'abord, tu dois aller et explorer le monde. Si tu as une forte chance de trouver une légendaire, une icône apparaîtra en haut de l'écran. Tout comme cela. Parle-moi si tu veux en savoir plus à propos du radar. Maintenant, tu peux les capturer, nous pouvons les faire cacher éternellement. Ok. Collect all Nexomon fragments. On s'est fait tellement plier en deux, les gens. Oh là 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 là. C'est violent, hein. Ça fait rien, hein. Bon, du coup, est-ce qu'on peut trouver un légendaire ou pas?
Où est-ce qu'il se cache ces sous-races? Eh mais attendez, ils sont à farm, non? Ah mais oui! Mais lol! Mais lol! Vous êtes sérieux les mecs? Vous êtes 87! What the hell, man? On peut juste rien faire. Oh là 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 là. Oh. MDR ce jeu quoi. Les mecs sont plus en plus dans le what the fuck en vrai. Level 90 le bazar, hein. Eh. C'est pas de la merde, hein. Oh là là. Allez. T'en as de la chance pour l'instant, ouais. Allez, dégage. Ouh. 600 et des poussières de dégâts, ma gueule. Hein. Rien que ça. Alors, du coup, il faut tous les réanimer. Sinon on va perdre l'XP bêtement. Ok, magnifique. Allez, dégage. Oh, c'est chaud là. Putain, et dire qu'il y en a 10 comme ça? Mais lol. Nexotrap d'or. Oh là 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 là. C'est des monstres, hein. C'est des monstres. Bah non, c'est mort, hein. C'est mort de chez mort, là. Ah. Il y a légendaire ici normalement. Ah bah il est là.
bim. Un légendaire. Et dehors. Succès capture fauna. Ok, magnifique. Bon, bah du coup on peut next hein. Exotrap d'or. Ça c'est du gagné là, clairement c'est du gratuit hein. MDR, on dit merci, t'as fini le jeu. Vas-y, capture les légendaires easy game. Hein. Ils sont en train de nous faire une paix. Et on. Ah! Salut. Salut, c'est moi, c'est Crazy, enchanté. J'espère que vous allez bien, hein, clairement. Et de deux légendaires déjà, hein, in the pocket. Hein. Là, j'ai pas regardé leur point de vie. Capture Ventra. Un exotrap d'or, merci. Oh, ce jeu il est trop fort. Donc, on va éviter les dieux pour l'instant, hein, clairement. Surtout qu'il faudra sûrement XP level 40 millions là, ça va être chiant. Ça va être chiant. Ah oui, j'ai pas gardé les points de vie. Attendez, c'était où le centre de Nexo? Oh putain, on ira voir le prochain, c'est pas grave. J'ai la flemme d'y aller là. Ah oui, d'ailleurs, j'ai regardé Instant Gaming, ils me disent en cours de distribution de clés ou je sais pas quoi là, en rouge. J'espère qu'on va pas se faire douiller les clés quand même. Ah, bonjour. Exotrap d'or. Merci, merci. Pour le petit cyberpunk. Alors, est-ce qu'il y a le légendaire ici dans le coin? Apparemment, non. Exotrap d'or. Là, je me demande où ils se cachent les autres. Hein. Ah, encore une exotrap d'or. Merci. Là, je suis en train d'en faire toute la map là, en vrai. Violent.
Ah, Nexo Trapdoor. Une sorte de changer un peu. Ok. Alors, il y a R. Putain, il est où ce con? Ah bah voilà. Il ressemble à ça, Beta. Lol. Ok. Donc méta de type normal. Nexo Trap en or. Ça, c'est fait, comme dirait l'autre. Oh merde. Le con. Alors du coup, on va y en voir vite fait. C'est déjà 23h. Bientôt. Putain, la manette elle vibre de ouf maintenant. Ça se voit que vous l'avez pas en main parce que là maintenant la manette elle vibre de ouf depuis qu'on a le détecteur. Elle vibrait pas autant avant. Bon, c'est parti. On continue la chasse aux légendaires. Aux légendaires. Alors ici il y a R, R, R. R, 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 R. Ça y est, du coup, Nathalie, tu l'as acheté si t'es encore là? Toujours fermé la porte. Hein. Dommage. Nexo Trap. Ok, Nexo Trap en or again. C'est gratuit. Hein. Non mais je viens de te sauver la vie, gros con, là. Il est sérieux, lui? Il est vraiment con ce jeu. Mec, je viens de sauver la vie et mec, il m'insulte quoi. Non mais lol. C'est vraiment un guignol le mec. Hein. Ok, donc là il y a R. Donc on va essayer de passer par le bas. Non, c'est parti. On va essayer d'aller dans l'arbre. Hop. Ok, là il y a R.
Donc ça tombe, faut faire tous les porteurs de la clé pour avoir les gardiens en capture peut-être. Ça risque d'être chiant quand même. Ok. Alors là, il y a une île. Ça c'est chaud quand même de faire tout le tour comme ça en vrai. Je me demande si ça vaut vraiment le coup en fait de capturer tous les légendaires. Hein. Vu que le jeu est terminé au final. C'est plus en fait du random recherche qu'autre chose quoi, clairement. Après je sais pas si les localisations sont personnelles à chaque personne. Ou est-ce que c'est des spawns prédéfinis sur internet? Donc l'arbre risque d'être assez chiant, parce qu'il faut faire toute l'ascension et revenir après. Je me demande s'il y en a vraiment un qui se cache à l'arbre. Ça serait vraiment chiant, hein. Maintenant, on sait qu'ils s'en sont capables, donc bon. Donc, on fait cet arbre-là, et après, je pense que je vais retourner un peu sur. Sur Phasmo. De toute façon, là, le game est fini, hein, donc. Ah! Lui, il va nous bloquer le chemin, super. Ce gros tas de merde, comme on l'appelle dans le jargon. Fait chier. Bon bah du coup on va s'arrêter là. Hein. Hop, du coup j'ai redémarré, comme ça sera pas trop difficile pour moi de retrouver la rediffusion de Nexomon. Ça va falloir que je l'upload sur YouTube. Hop, du coup c'est parti. Tac. Hop. Donc on va changer de titre et tout. Je relance les gens.